Un saut d'obstacle réussi. Sur 1 minute 30, la synchronisation doit être parfaite. La cavalière aiguille son cheval, mais l'athlète, c'est surtout lui. Alors Alexia s'adapte à chaque mouvement, à chaque souffle de son partenaire. C'est pas toujours facile parce que c'est comme un humain, ça a ses humeurs. C'est ça qui est intéressant dans le cheval quand même, parce que c'est différent tous les jours. Les passionnés s'inscrivent très jeunes dans des centres équestres comme celui-ci, à une différence près. Allez, bien droite, mets tes mains droites, descends bien dans le fond de ta selle. C'est un super coach, c'est vraiment intéressant de travailler avec lui, donc ouais, c'est vraiment, moi je me plais vraiment bien ici. Olivier Bost, entraîneur national des juniors poneys. Son frère n'est autre que Roger Yves Bost, qui représente la France aux Jeux Olympiques. Doyen de l'équipe, il a 51 ans. On peut débuter à 4 ans sur des petits poneys Shetland, et après monter à cheval jusqu'à 65, 70 ans, se faire plaisir. Et tous les grands cavaliers aujourd'hui s'adaptent aux chevaux qu'ils montent. Ils peuvent en monter 10 des différents, et chaque fois ils s'adaptent au cheval. L'idée, c'est vraiment, on doit s'adapter au cheval qu'on monte. C'est ça le talent. L'équitation, une histoire de famille chez les Bost. Sa fille Margot vise elle aussi les JO en 2024. De plus en plus d'amateurs sont attirés par ce sport, le plus pratiqué en France, après le foot et le tennis.